Marteis, ça fait un an, plus d'un an, que vous êtes maintenant à la tête de la composante Terre. Parfait, ouais. Il y a un an, vous annonciez que le plus grand défi, c'était le recrutement. Mais aujourd'hui, quel bilan vous faites à ce niveau-là? C'est certainement encore le plus grand défi, mais je pense qu'on a avancé. Quand je vois les chiffres 2018, ils sont quand même meilleurs que 2017, donc on avance. Et alors, beaucoup de militaires quittent l'armée. Quelles sont les solutions pour vous aujourd'hui pour les garder dans l'armée? D'abord, c'est bien expliquer ce qu'on fait tous les jours, déjà avant qu'ils rentrent à la défense, et également avoir une mentalité qui est plus de former et pas de sélectionner. Et au niveau des jeunes, il y a eu récemment plusieures annonces au niveau de l'assouplissement de certaines règles. Est-ce que vous comptez aussi vous adapter un petit peu à la réalité des jeunes pour justement les séduire davantage? Ce n'est pas une question de s'assouplir, c'est en fait le point de départ de nos jeunes d'aujourd'hui est peut-être différent des jeunes quand moi j'étais jeune. Et donc on s'adapte en fait au temps et trouver de bonnes solutions pour qu'ils restent à la défense.